Aujourd'hui, on va vous parler d'un tout nouveau smartphone qui vient faire son apparition. On va donc parler du tout nouveau Smart Vision 3. Deux types de Smart Vision 3, l'Initium et le Omni. Le Omni étant un Smart Vision 3 avec un peu plus d'options. On en parlera dans une prochaine vidéo. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et surtout à partager ces vidéos. On va déballer ensemble le produit, voir l'intégralité du package et ensuite on fera un premier démarrage ensemble. Bien sûr, d'autres vidéos vont apparaître sur la chaîne pour vous montrer les spécificités de ce tout nouveau Smart Vision 3 Omni et ce Smart Vision 3 Initium. Alors voilà à quoi va ressembler la boîte du Smart Vision 3 Initium. On est donc sur une boîte rectangulaire de couleur noire, estampillée de la société CAPSIS. Puisque oui, aujourd'hui, le Smart Vision, comme tous les autres Smart Vision première génération, Smart Vision 2 Premium, ont été créés par la société CAPSIS. Donc ce téléphone est un téléphone complètement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes. Passons tout de suite au premier déballage, c'est parti. Comme vous pouvez voir, la boîte n'est pas très épaisse. Ouvrons tout de suite la boîte. Alors sur le dessus, vous allez tomber sur la notice sous forme de dépliant qui sera bien entendu en français. Alors ensuite, on va retrouver donc notre Smart Vision 3 Initium que je vous mets ici en gros sur votre écran. Qu'est-ce que le Smart Vision 3 Initium? C'est un smartphone tournant sous Android 11, équipé d'un vrai pavé numérique avec de grosses touches, avec de bons repères sur la touche 5, avec un joystick central et des touches colorisées spécialement prévues pour les personnes malvoyantes. On peut s'apercevoir que le Smart Vision 3 Initium possède un grand écran tactile qui pourra servir aux initiés du tactile, bien sûr. Sinon, vous allez pouvoir vous servir de l'intégralité de votre téléphone via le pavé numérique et via les touches qui sont dessus, le joystick, etc. Attention les amis, attention. Ne jamais défaire le capot arrière de votre Smart Vision 3. Ne jamais essayer d'enlever ce capot arrière, puisque à l'intérieur, il y a une batterie et cette batterie est soudée au téléphone. Ne jamais forcer l'arrière du téléphone. D'ailleurs, ne jamais forcer l'arrière de n'importe quel téléphone. Si vous voyez que ça force, ça veut dire qu'il ne faut en aucun cas défaire l'arrière de votre téléphone. Très important, ça peut être fatal à votre Smart Vision 3. Et surtout, je vous le dis, la batterie n'est pas du tout amovible. On a un smartphone qui n'est pas équipé d'une batterie amovible. On continue le déballage. À l'intérieur du package, on va donc retrouver la petite aiguille pour enlever le tiroir et mettre votre carte SIM. C'est avec cet objet que vous allez pouvoir insérer votre carte SIM à l'intérieur de votre Smart Vision 3 Initium ou Omni. On continue les amis. Nous allons avoir un casque audio puisque avec votre Smart Vision 3, vous allez pouvoir écouter la radio FM et bien sûr, ce sera votre casque qui fera office d'antenne. Donc un casque. Ce casque sera de couleur blanche. Comme ce casque est équipé d'une connectique jack, vous aurez donc sur votre Smart Vision 3 une connectique jack. Logique. On va retrouver donc son câble de rechargement et bien sûr, on sera sur un câble USB-A vers USB-C. Donc une recharge de type USB-C plutôt cool pour recharger donc votre Smart Vision 3 Initium. Pour terminer, on aura donc la prise murale. On a donc terminé le déballage de notre Smart Vision 3 Initium. Passons au premier démarrage. C'est parti! Je vous ai mis ici en gros le Smart Vision 3 Initium. On est donc sur un téléphone qui est de couleur blanche, avec à l'arrière un appareil photo, avec à l'arrière le détecteur d'empreintes pour déverrouiller votre Smart Vision. Et ça, c'est plutôt cool puisque c'est la première fois que CAPSIS met un détecteur d'empreintes pour déverrouiller votre Smart Vision. C'est très rapide, vous allez voir. Très sympa à utiliser.
Sur l'avant, on a donc un grand écran, un pavé numérique assez grand visuellement et tactilement parlant, avec de très bons repères tactiles. Sur le côté gauche de l'appareil, vous allez retrouver en haut la petite trappe pour insérer votre carte SIM. Alors sur le haut de l'appareil, on va donc retrouver le port jack avec le petit bouton complètement en haut à droite, le bouton d'allumage de votre Smart Vision 3 Initium. Voilà tout ce qu'on va trouver sur le haut de notre smartphone. Sur le côté droit, on va retrouver le petit bouton pour la reconnaissance vocale de notre assistant Google et on aura les boutons de volume qui seront juste en contrebas. Sous notre téléphone, on va retrouver donc la connectique de type USB-C et l'haut-parleur qui est quand même assez bon en termes d'écoute. Vous m'en direz des nouvelles lorsque vous allez entendre le premier démarrage de notre Smart Vision 3. Voilà le tour du propriétaire de ce Smart Vision 3 Initium. Passons au premier allumage, c'est parti. Alors pour l'allumer, c'est tout simple, vous allez faire un appui de quelques secondes sur le bouton complètement en haut à droite. L'appareil vibre et voilà ce qui se passe. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, si vous aimez ce genre de vidéos. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Premier allumage. Et première petite musique. Bonjour, bienvenue dans TalkBack. Appareil déverrouillé. Synchronisation des contacts SIM 3 points. Accessible NFC, touchez pour voir les paramètres des détails. Services vocaux Google en cours d'utilisation. Recherche de téléchargement. Synchronisation des contacts SIM 3 points. Voilà pour ce premier démarrage. On a donc une petite assistance vocale. Bienvenue sur TalkBack. Et on entend différentes petites choses qui vont nous permettre d'utiliser notre smartphone. Bouton suivant. Donc tout simplement, au premier démarrage, on va faire flèche bas pour aller sur le bouton suivant. Bouton suivant. Et on valide sur le joystick central sur OK. Explorer au toucher. Page 2 sur 5. Vous pouvez sélectionner un élément en faisant glisser un doigt sur l'écran. Bouton suivant. On fait suivant. Défilement. Page 3 sur 5. Bouton suivant. Hors élément. Bouton suivant. Hors de la liste. On va faire suivant. Action système. Page 4 sur 5. Donc vous allez faire ceci jusqu'à arriver sur l'écran d'accueil principal. Donc on va descendre jusqu'à suivant. Pour ouvrir les notifications, balayez l'écran du haut vers le bas avec deux doigts. Alors ce genre de smartphone est un smartphone tournant sous Android 11 et c'est un smartphone qui est plutôt dirigé pour toutes les personnes en situation de handicap n'ayant pas la possibilité ou ne voulant pas utiliser des smartphones tactiles. Il n'y a vraiment aucune obligation de passer par ce genre de téléphone si vous êtes doué au niveau du tactile. Vous pouvez complètement, par contre, utiliser ce genre de téléphone avec un vrai pavé numérique si vous êtes une personne ayant beaucoup de difficultés à utiliser du tactile. C'est vraiment plus simple et vraiment plus appréciable par les seniors n'ayant pas les possibilités d'utiliser nos smartphones que nous utilisons nous aujourd'hui, tels que iPhone, tels que les Samsung, les Pixel, etc. Puisque beaucoup de gens, encore aujourd'hui, ont énormément de mal avec le tactile et les différents lecteurs d'écran tels que TalkBack et VoiceOver. Bouton suivant. On valide. Tout est prêt. Vous êtes prêt à utiliser TalkBack. Continuez à explorer d'autres sujets dès maintenant ou consultez ces informations dans les paramètres TalkBack quand vous le souhaitez. Voilà donc, ici, on a tout simplement initialisé, on a tout simplement mis en place notre lecteur d'écran préféré, TalkBack, qui est donc une application développée par Google et qui permet d'utiliser n'importe quel smartphone ou tablette sous Android en toute accessibilité. Essayez les jets. Donc vous descendez toujours jusqu'à ce que vous arrivez au bouton terminé. Bonjour, bouton langue français France.
Dans ces conditions, vous arrivez donc sur votre Smart Vision 3 et vous êtes capable maintenant d'initialiser votre appareil tout seul puisqu'il est capable de vocaliser l'intégralité des écrans. C'est parti. Bouton paramètres visuels. Bouton commencer. Bouton commencer, ce qu'on va faire tout de suite. J'ai tout simplement fait flèche bas. Se connecter à un réseau mobile. Si vous avez des cartes SIM, insérez-les maintenant. Alors, important, avant d'allumer votre smartphone, insérez tout de suite votre carte SIM à l'intérieur. Ça sera bien plus pratique et votre smartphone sera directement connecté à Internet. Sinon, passez par votre Wi-Fi, insérez votre code et votre smartphone sera aussi directement opérationnel pour commencer un premier démarrage. Bouton ignorer. Alors ici, je vais faire ignorer puisque je ne vais pas encore lui mettre de carte SIM. On avance. Se connecter au Wi-Fi. Se connecter au Wi-Fi dans la liste. On va donc se connecter au Wi-Fi. Je vais choisir mon Wi-Fi. Sélectionner un réseau. Livebox 4E4E. Signal Wi-Fi excellent. Réseau sécurisé. Je valide sur OK. Livebox 4E4E. Zone de modification. Mot de passe hors de la liste. Allez, je vais taper mon mot de passe. C'est parti. Et pour ceci, je vais utiliser le pavé numérique en mode T9. 17B5686, modification en cours, sélectionnée. Une fois que vous avez donc terminé de taper votre mot de passe, vous allez faire flèche bas jusqu'au bouton se connecter. Liste déroulante, bouton annuler, bouton se connecter. Et vous validez sur le bouton OK. Se connecter au Wi-Fi. Livebox 4E4E-Baext, signal Wi-Fi moyen, réseau sécurisé, dans la liste. Préparation de votre téléphone. Cela peut prendre quelques minutes, hors de la liste. Voilà ce qui arrive donc lorsque vous avez correctement tapé votre code Wi-Fi. Il y a la préparation de votre Smart Vision 3 qui se met en place. C'est parti. Alors c'est un téléphone qui est complètement accessible et complètement réglable dès le départ, dès la sortie de la boîte, par n'importe quelle personne, du moment où vous avez quelques connaissances en informatique malgré tout, puisqu'il faut quand même savoir se connecter à un réseau Wi-Fi et avoir quelques connaissances lorsqu'on utilise ce genre de téléphone. Copiez vos applications et vos données. Vous pouvez choisir de transférer vos applications, vos photos, vos contacts, votre compte Google, etc. On est sur un Smart Vision 3, on est sur un smartphone, il va donc falloir posséder une adresse mail Gmail pour avoir accès à tout ce qui concerne Google. Donc il faudra soit créer une adresse Gmail ou soit stipuler la vôtre. Vous pouvez bouton ne pas copier. Ici je vais lui dire ne pas copier. Un instant, barre de progression 0%, configuration du compte. Vérification des informations, titre. Alors, on est donc sur la première configuration de notre Smart Vision 3. Service Google Play. Vérification des informations, titre. Connexion utilisée votre compte Google. En savoir plus. Voilà, comme je vous ai dit, il vous faudra donc soit créer une adresse mail ou mettre votre adresse mail Gmail pour accéder directement à tous les services Google comme le service principal Google Play. Bouton. Adresse. Bouton du menu pop-up. Bouton ignorer. Pour l'instant, je vais ignorer. Vue web. Boîte de dialogue. Ignorer la configuration du compte. Titre 1. Sauvegarder vos applis. Activer les fonctionnalités. Bouton ignorer. Allez, on ignore. Configuration d'Android. Un instant. Service Google. Barre de progression 0%. Comme vous pouvez entendre, malgré que j'ignore l'intégralité des premières fenêtres, je peux quand même avancer dans la configuration de mon Smart Vision 3. Appuyez pour en savoir plus sur chaque localisation. Utilisez ma bouton. Oui, pour utiliser ma position. Non. Autoriser la recherche. Bouton non pour autoriser la recherche. Maintenance de l'appareil. Envoyer données utiles. Bouton oui pour envoyer non.
Installer des mises à jour en appuyant sur accepter. Bouton accepter hors de la liste. Alors bien sûr, vous acceptez tout ce qu'on vous demande pour avoir un téléphone qui sera suivi au niveau des mises à jour. Sélectionnez un moteur de recherche dans la liste 12 éléments. Donc ici, je vous conseille le moteur de recherche Google, bien sûr. La sélection que vous effectuez ci-dessous détermine le moteur de recherche par défaut utilisé dans le champ de recherche sur votre écran d'accueil et dans Chrome. Si vous ne disposez pas de l'application concernée, elle sera téléchargée depuis le Google Play Store. Cette vidéo est là pour vous montrer toute l'accessibilité de ce téléphone depuis son démarrage jusqu'au premier écran de démarrage. Plutôt pas mal pour l'instant, c'est réactif. Belle synthèse vocale, on est sur une synthèse vocale de chez Google, donc c'est plutôt pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On continue le paramétrage. Yahoo, regrouper. Case d'options, désactiver pour Yahoo. Case d'options, Google, regrouper. Case d'options, désactiver pour Google. Alors, activer. Je vais activer cette case. Simplement, une fois que je suis sur cette case, j'appuie sur le joystick central, sur le bouton OK. Ça coche cette case, c'est bon. Donc ici, une fois que vous avez choisi votre moteur de recherche, vous descendez jusqu'au bouton suivant. Configurer le verrouillage de l'écran. Zone de modification, modification en cours, sélectionnée. Alors, affichage de clavier CAPSIS. Alors, on peut configurer le verrouillage de l'écran soit par code, soit avec le capteur d'empreinte digitale, plutôt sympa, plutôt rapide et très efficace. Confirmé. C'est parti. Déverrouillage avec empreinte. Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller votre téléphone ou approuver des achats. Votre empreinte digitale peut être moins sécurisée qu'un schéma ou un code fiable. Alors vous pouvez l'utiliser ou pas, c'est vous qui choisissez. Bouton ignorer. On va faire ignorer. Préparation de votre téléphone. Appareil déverrouillé. Portrait. Écran d'accueil, 16h55, mercredi 10 août, dans la liste. Et voilà, donc vous êtes capable maintenant d'utiliser votre smartphone comme tout le monde, d'avoir un smartphone complètement accessible avec un vrai pavé numérique. Si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous cette vidéo, à la partager et surtout abonnez-vous pour d'autres astuces dans les prochaines semaines et dans les prochains jours, puisque je vais vous faire plusieurs vidéos sur ce tout nouveau smartphone qui vient de sortir de la société CAPSIS. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager, et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. 16h56. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.